Every day, it has never escaped my awareness that I'm from something that is a lot greater than me, something that a lot of great people have been part of in trying to, you know, ensure progressive attitudes and, you know, consciousness in certain directions. People like Fumila Arasankuti, even as far as, you know, Professor Wole Soyinka Fela, my father. So I've always been aware that it's a family that sort of brings about very intentional, great people. So what that does for me is it inspires my mindset. It allows me to really reflect on the things that have come before me and allow me to think of what I want to do as an individual myself. So they inspire me. So all of those things just, they fuel my state of mind, what I choose to learn, the way I choose to behave, the morals and values that I choose to have. So I'm influenced by them. So it feels, to answer your question, it feels great to know that I'm part of something that is very, you know, very important, very significant. Comment écrire sa propre histoire alors qu'on descend d'un héritage aussi prestigieux? C'est comme ça que je vois un peu Madé Kuti, qui n'est d'autre que le fils de Femi Kuti et le petit-fils de Fela Kuti, et le neveu de Chen Kuti aussi. Parce que pour moi, descendre d'une dynastie comme ça, musicale, qui est juste hors norme, je n'ose même pas imaginer parfois la pression que tu peux avoir un peu de descendre d'un héritage aussi lourd. Il faut un peu, bon, ça c'est peut-être une aparté, Fela Kuti, c'est la famille Kuti est une famille vraiment, c'est la noblesse nigériane, hein. C'est une famille qui vient de la bourgeoisie nigériane depuis le 19e siècle. Quand tu regardes même qui était le père de Fela Kuti et le grand-père de Fela Kuti, qui est un des premiers évangélistes au Nigeria, je pense, si c'est ça, qui était un évangéliste et un musicien, le grand-père de Fela Kuti, c'est littéralement la classe bourgeoise nigériane. Donc ce mec-là descend d'une longue lignée prestigieuse un peu de l'histoire du Nigeria. Donc descend de ce truc-là, je n'ose pas imaginer un peu à quel point ça peut être lourd. Mais chaque fois que je vois les interviews de Madé Kuti, que j'ai découvert littéralement il y a 3 ans que je l'ai découvert, je sais pas, je suis tombé, que j'ai dit, ah, Femi Kuti, il a un fils aussi qui fait la musique, et j'étais un peu passionné, j'étais très fasciné par voir à quel point il dégage une maturité particulière, et comment il est très différent un peu des gens de la famille Kuti en général. Les gens de la famille Kuti sont généralement très extravertis, très, je dirais un peu, très roots, quoi. Mais lui, il a un calme et, comment dire, un côté un peu très réfléchi, un peu qui casse un peu avec tout ce que j'ai vu généralement dans la famille Kuti. Et il y a de cela, on va dire, 2 ans, 3 ans, il avait sorti un double album avec son père qui s'appelait Legacy, que j'avais véritablement apprécié. Il y avait le premier, c'est-à-dire que c'était un double album un peu dans le même concept que Outkast. La partie A, c'était tout l'album de Femi. Je sais plus comment ça s'appelait. Je crois que ça s'appelait Legacy. Et la partie B, c'était l'album de Madé Kuti. Et c'est incroyable de voir cet album-là qui a été conçu de A à Z
pas Femi, pas Made Kutis, ça, la partie, la face B de cet album-là. C'est-à-dire que tous les instruments qu'on entend là, tous les instruments que vous entendez là, que ce soit de la guitare, du piano, du saxophone, de la trompette, et tout ça a été composé de A à Z par Made Kutis, qui est vraiment un autre très, 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 très grand musicien de la famille Kuti. Cet album-là, comme d'habitude, comporte toujours les mêmes thèmes un peu qu'on peut retrouver dans les albums. Une conscientisation de l'Afrique, une conscientisation un peu sur les problèmes de corruption dans le Nigeria. Mais au-delà de ça, ce qui me fait vraiment plaisir cet individu-là, c'est de voir à quel point il est. Il dégage une maturité qui me désarme un peu. Il y a une certaine forme de grandeur qui se dégage chez ce Made Kuti-là. J'adore écouter ses interviews. Ça fait 3 ans, 4 ans que j'écoute ses interviews. Et son premier projet, qui est sorti avec son père là, il y a 3 ans, augure un peu beaucoup de choses positives dans sa carrière. J'espère que on pourra voir une évolution très intéressante un peu dans la carrière de Made Kuti. Et qu'est-ce que je peux dire encore par rapport à ça? N'hésitez pas à voir alors l'album Legacy, qui était un album qui est sorti déjà depuis 2 3 ans, qui a été nominé même au Grammy. Et moi, je l'écoute, ça a fait 3 ans que je l'écoute et que je kiffe énormément. Et pour moi, Made Kuti fait partie des jeunes artistes africains qu'il faudra regarder à l'avenir. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.